mardi 23 juillet 2024, Bokamati Libakwa Kolanda Biso partout à travers le monde. Libakou ya Kozana Biso Longo, Nanzela ba etando eke na bino, Nanzela ba page na biso sur les réseaux sociaux, Mbote, Pekimia na Mabota, na bino basango, Yamboto, Yambaba invité à Tongo na lelo, ministre ya justice, ministre d'État en charge, Yamakambeta de justice, annoncé Bongo Mokolo, ya mercredi 24 juillet prochain, soit lobby, ouverture, il y a procès public contre chef rebelle Corneille Nanga, au Liboso, il y a cour militaire, il y a Gombe, à Wanaville, province, il y a Kinshasa et autre chose, cette mise au point du gouvernement congolais qui dit ceci, aucune personne n'a été mandatée par Kinshasa pour une quelconque forme de discussion avec le terroriste du M23, Lolenge et l'Obama qui n'a opinion. Patrick Mouyaka Tembo Yazali, ministre de la communication, Pemedi a porte-parole, il y a gouvernement, Aebi Bongo Kozonga, pour nous éclairer opinion. Mais qu'est-ce qui se passe à Kampala? Nous allons en parler au cours de cette émission avec Bandeko Tozana Bango sur ces plateaux. Dossier Bukangalozo, la haute cour renvoie l'affaire qui était fixée pour ce mardi, pour ce 22 juillet au 11 novembre prochain. Et Namaï Matali Justice, ce qui faut Tikalawana, accusé de détournement et surfacturation liée au projet de lampadaire et forage. Nicolas Kazadi, ex-ministre de la Finance, Zonga Kinamboka, lobby Moleki, il faut signaler que la même affaire, Wana Kaka, justice à Tchakimaboko déjà, na François Rubota, ex-ministre de développement rural, Nine Tikali Ponandeko, Tokoye Bayango, Mikolo Mizaliko, il y a deuxième jour, il y a séminaire du gouvernement, premier ministre Maman Jidis Souminois, à qui peut insister qu'il y a un valeur, on a un membre, il y a un gouvernement, il y a un ministre, il y a un ministre, il y a l'État, attaque, moquette, il y a un moko, il y a Tina, il y a beaucoup de Taniwana, il y a un Sangisaki, gouvernement, il y a un Mboka Congo, tout ce qui ça, il y a une bonne nouvelle pour l'agent, il y a l'État, tout le fonctionnaire, ministre, ministère, il y a finance, informé, opinion, que maematali mosolo ya ba paye ya ba fonctionnaire yango et koza le susu na retard ata mo ki ete et sengel koe ba kepo na moya jie oyo deja mosolo e banda ki kobi mauta le 18 juillet le dernier mingi mingi pona ba enseignant ba policier pe ba militaire. Est-ce une bonne nouvelle? Maton Domingo Kozana biso na tongo ya lelo na yebi ke boza ebele okoki ko partager nde to meshana ko sala elongo na bino deux invités pour to lobela mai matali mboka Congo. C'est vrai que to annonça ki moko ya ba ancien détenu à prison ya makala na tongo ya lelo bengi biso alobi azali menacé pa moyen ya koleka na itando eke pona ko pesa témoignage na ye. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous en parlons na bande ko bazana biso sur ces plateaux ndeko Henri Chimbalanga, Azali Mokwa Bapandisango, Kasi Mokwa Banaïste, bonjour et bienvenue. Merci, merci Mingi pour l'invitation. Na Pesipe Mbote, na confrère Nanga Eric. C'est la Mingi pe na habitude na e à Luka Kota na profondeur. Mbote pe na baignon. Pesa moi tant na bango pour na Olanda Biso. Autour y a bas sujet Oyo, tout ko échanger. Alors déjà pour la reconnaître mon sikate na prison makala et si au coma et si au yebande bazala kuna comment est-ce que mona ki bobimi ya image on de konabisho a sala ki de kostani est-ce que ezaki qui na but ya ko salir réputation to ko pe bisa image ya mboka nengi bat bazala koloba. Je pense que bato yo bazala koloba à saler un peu na robe bisa ima réputation en boka. Bon, en réalité peut-être bakoza la baleka na milieu anate soit okoza la tana ndeko moko ya yo o ya kota kuna mezo senga yonde o yebaka na kolandela survie na ye. Je crois que Stanislas en tant que journaliste je considère que bah image wana ce sont les faits.
donc bah fait réel, c'est-à-dire ma kamdenge le kanakana milieu wana ma kambwana ezali na lolenge ya kibomo toté. Alors hier en tant que journaliste tant ou akutani nango yebani que journaliste nyonso soit akutani na likambo un fait significatif. C'est ça le journaliste à cause fait significatif wana pour ayer banako ko transformant et appeler ça en forme et comme information pour baimbo kabaye baki abondo bandeko oyabiso baza kuna en dépit du fait que baza malgré ba détenu mais baza na droit ya ko vivre et lokoyo ba privé bango ezakaka liberté de mouvement baza na droit à la vie. Mais alors yangwana c'est un milieu où na cadre wana ils ont singa normalement gouvernement ils a la regardant na likambo etali survie na bango. Mais on l'accuse aussi ya ko tia mokolo toté na mayozali ko sala masima boko tia ndeko Constant Mutamba deux mois après il dit que va kambo bouger mais a elobeli yango te que bon o, quand même non attention oyebi bon changement na ebité ce qui changement toko zwango toko décréter ou déclarer changement par rapport ya ba discours ou bien bah mouvement mobo est déjà engagé mais dont bah résultat nanou tomoni en côté parce que le changement otoza ko lobato ko zela par rapport à un secteur donné local la justice ezali to banda comme on a pena bah fait réel tout est comme on a moi quoi que mobo boyé Constant Mutamba ça tomoni communiqué nae oyo ezaki na sens que Nicolas Kazay ne pouvait pas quitter le pays bah débarquer yé lilo lobby n'espace à 24 heures, Nicolas est tout bonnement sorti, la formalité n'y a pas qu'à part la voie d'Angili. Alors, il peut s'équiper l'image de Nicolas que communiqué on a le ministre Constant Mutamba et comment il a dit c'était un carton parce qu'il fait n'a pas quitté. Alors, Nakanisi que il faut tout ça, la paix, moi, attention, Mingi. Surtout, bah, journaliste, ndé, bah, à la base, si koyo, bah, comme il conduire société Nabiso Mabé. Pour des raisons oyo tout na mon tout temps ba foutier pour défendre cause alors ça la yango mayebi ke eloko ce sont des faits vrais ngana sina kenda plusieurs fois na prison à Makala pour na kota la pekaka bande kondeni ba fibaka mais ils a pas si mingi. Très bien. Alors l'objectif n'était pas d'éternir l'image du pays, selon mon avocat Henri Timalanga. Tous en déco Mike Diana, Azana Bisso, Moko ba journaliste, Pé Amboka Nabisso, mon amboka mbote que voilà. Merci. Salut également sur Timbalanga. Sengwa okutanana na plateau pe ba e baola Nabisso na Mbunga. À Makala, le prisonnier mange trois fois, voire trois ou deux fois par jour. Ensuite, il y a le ministre Constant Mutamba, entre lui et le journaliste Stanley, qui dit vrai. Bon, est-ce qu'il faudra opposer l'information du ministre à celui du journaliste? Je ne pense pas. Je crois que responsabilité d'un abysse au baillé. Tozui, chance, yao salam, salana, yao vérifier. Parce qu'il peut être possible que des deux côtés, qu'il y ait la vérité, mais qu'il y ait un problème quelque part. Dans le sens où, ce qui l'état zopé sambon, on a pas directeur et à prison. Pour que prisonnier moko ali en balamisa, pour que kune zaka en balamoko ndenge, de kostani a constata ki ango, ça veut dire que na katika tiona, il y a un problème. Nous savons tous aussi que le directeur à la prison, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et Bélé, on décrit souvent, on va problème à mes gestions à bas fond, en interne, ça peut être possible. Mais, je crois que Mambo Tozobi Kalelo, la forme coloration topé ça surtout métier à journalisme, pour moi, cette forme et intolérance est comme on dit à niveau motif ou connaître implosion. Parce que on est devenu allergique à la critique. Oui, bino bobé tel solo. En fait, gamin Boustani a sali, non, ben on te critique, t'es ara alerte. Faut avoir été dans le problème pour comprendre ampleur d'un mot, pour comprendre les difficultés. Et c'est dans l'idée de faire comprendre à l'État congolais que la condition carcérale, de toutes les façons, Stani a sali angolélo, mais. Je crois que chaque Congolais sait que les conditions carcérales, le système carcéral n'est pas naturel à un problème. Kola les Arapassi, déjà ils sont en surnombre, propriété athée. Nous on a eu, si vous voulez, si vous ne voulez pas me donner, allez demander au vieux Diane, il vous dira. Conditions à prison, nous on a apporté à manger régulièrement parce que au Bazao servir, on a au-delà du fait que Zaki repas, mais repas, Mouza repas, il y a Ndengeni. C'est même pas un repas convenable au moto normal à Koiko Tiana. C'est pourquoi vous voyez, ce qui est moto abîmé, prison, il y a santé détériorée. Or,
dans un état normal, au-delà de, du droit à la liberté, le droit à la vie, les fondamentaux, il n'y a pas de droit. Ils auront conservé un prisonnier à droit à un lit décent, à une nourriture saine, à droit à toutes les conditions nécessaires, hormis une liberté privée. Sinon, dans ces cas-là, on fait de chaque prisonnier un condamné à mort. Parce que ne pas être nourri convenablement conduit à la mort. Moi, je connais beaucoup de gens juste après prison, à Yébo, 2, 3, 4 mois après, santé Zamala Mouté par Koufi. En fait, en réalité, on condamne à mort. On comprend pourquoi bah, politicien Bélé, je suis à Koti Boyo, après tant de malades. Exactement ce que tu le dis. Talakara, niveau et vie, naïe, qualité à vie, à Koumeni, Boutié, la prison, au Koukate. À l'instar peut-être de Jean-Marc Kaboun qui prouve à supplément. Bon, il y a pas à Outa, il n'a pas si à Outi, il n'a pas à Kolinango. À l'instar de Mike Moukeba, lui d'ailleurs, il est un habitué, c'est un joli, c'est une à Botamité, n'a opulence. Mais vous comprendrez, c'est aussi un indicateur pour vous faire croire que conditions à vie aux autres. Parce que, bah, au babé, la grande politicien, bah, qu'il y a un instant de VIP. Ce qui est bon, bah, au cocaté, imaginez ce que vous avez un instant de normaux, Stanier, Azobé, Talisoloa. Ça va à un moment donné, je sais que dans le journalisme, les lots, bah, qu'on a fait sa coloration. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Stanley Boujakir est à la solde de Moïse Katumbi. Ok, vous le voulez. Mais dans le fait, Marambo a l'objet de son sotoïbique et le système carcéral est un problème. Et aujourd'hui, il faudra que l'État relève ces niveaux-là parce que, objectif, il y a prison. D'ailleurs, on avait pas bah, en prison, rien en CPRK, centre de rééducation. La rééducation voudrait que Moutoua Salimbe, qu'on confondre tes natures Yamoutouna Mabé à Sali pour que Tango Orbima, Azala, citoyen Amala Moukonambouk. L'idée, c'est de rééduquer. Mais l'idée, ce n'est pas de tuer à petit feu par des conditions sanitaires très dégradantes. Je pense que tout ce qu'on devrait faire en tant qu'État, ils ont tous ou en gros sportivement. Et puis, le cola, peut-être le bonheur, c'est qu'on s'en tambaouti au coma, il est jeune. Et le bonheur, c'est qu'il y a avant, il y a à Zouaki Mouatin pour échanger nos prisonniers en interne. C'est juste un élément de plus là. Na Jibessier Naye pour qu'à Mona, comment il peut faire mais pour il dit que depuis qu'il est là, la situation est changée. Mandam, ou oui, mais seulement quand il dit depuis qu'il est là, il est là depuis combien de temps? C'est ça le problème. À peine un mois. C'est à ce niveau-là que je dirais. Est-ce que la seule chose, la seule question fondamentale de Koutou Nastani, c'est que est-ce que depuis Abimaki prison, avant de publier enquête, à Zongaki Poata, la évolution, il y a situation? C'est la seule question sérieuse que je peux demander parce que. Vous savez, même quand on collecte les notions d'enquête, il faut toujours savoir actualiser, savoir contextualiser le fait. Au cause à la R1 et à la Kimabe, mais après Siko, il y a eu un changement au niveau de l'État, fait ne serait-ce que l'effort de savoir quelle est la situation actuellement avant Napi Blanc, parce qu'il a pris le temps de traiter, de collecter. Je suppose que pour le garçon sérieux qu'il est, parce que moi je le connais depuis trop longtemps, j'ai eu la chance de faire le même parcours avec lui, on s'est croisé à l'RTVS en 2010. C'est un garçon qui sait, qui aime bien faire son travail. J'espère qu'à Salah Kiango, mais si ce n'est pas le cas, à lui ou à quelqu'un d'autre de pouvoir rectifier le tir là. Mais n'empêche que Makambo Alobaki, ma vidéo Tozomuna, ce n'est pas de deepfake, ce n'est pas de montage, c'est la réalité de la prison et nous le connaissons. Très bien, merci beaucoup. Toti Kalinao, Italie Justice, procès contre Nanga. La question se pose, est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'ils avaient des chèques alors que chef rebelle, ex-président SNI, Azan Mabéli Nabisso, pourquoi ne pas l'arrêter? Pourquoi ne pas comme mener en bas instance et ouvrir comme ça un procès contre lui alors que Tokoyeko Zoye, Azan Sinakatia Mbukakon? Nazaka, souvent, on n'a pas si à quoi ça, là-bas, commentaire, là-bas. Bah, dossier à justice, surtout dans la phase d'instruction. Je vais prendre du recul, rester dans l'approche sociologique qui est de ma science, voir comment le Congolais perçoive, et puis apporter peut-être une dimension politique. Bah, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, ce procès-là? Depuis toujours, Tobé Talisolo, comme beaucoup, ils ont promis l'impunité. Le Congo, l'impunité bat son plein, c'est une vérité de fait. C'est qu'on s'est embaillé avec cet esprit-là dur là, de pouvoir remettre la sellette, la justice sur la sellette, et puis toucher à ce qui ne va pas. Mais Moutouna va qu'on le bat tous les hommes Moutouna Moutouni Moutouto Zoé Telisolo. Il y a pas longtemps, tout le monde a qui a quelque chose messe sur le sol congolais. Asil si messe naie va présenter Nanani et puis Asil si Azongi tout bonnement. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est incapable de pouvoir contrôler l'ensemble du territoire national? On sait qu'il y a des zones en conflit, mais si Kanangaza, on se pose la question, qu'est-ce qui empêcherait à l'État de pouvoir aller le cueillir parce qu'on estime déjà. Sauf qu'il est en phase ou en un juridictionnel, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu des éléments d'enquête qui peuvent prouver aujourd'hui, de par devant les cours, que Nanga est coupable des crimes de guerre et autres faits lui reprochés. Mais la question, c'est que pourquoi on veut faire un procès accoutumant alors que la personne dont on parle n'a pas quitté le pays sur le sol congolais?
image wana pas ba congolais ebélé et aux ala passi pour ba comprendre. Dans l'approche pédagogique, c'est une image difficile à faire comprendre aux gens et ça renforce encore le sentiment de léthargie de la part de l'État. Le Congolais se rend compte que finalement, on est dans un État qui ne sait pas protéger ses fils parce qu'on poursuit quelqu'un dans un procès accoutumance, alors que Mouto Tozobe Telisolo, il se pavane librement sur le sol congolais, il défie même l'État. Et pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Je pense qu'à ce niveau ici, on aurait dû peut-être prendre une autre tournure, mais je pense que la seule chose qui va nous sauver, si n'a procès on a. Il y a quelques éléments proches de Nanga qui ont été arrêtés. Je crois que oui, il y a deux personnes qui ont été arrêtées. C'est au Bandana Bango procès. En fait aussi, à ces niveaux-là, ça ne sera que le procès. Objectif est à viser qu'au faire taire dynamique rebelle y a Nanga, mais il y a des éléments qui sont sur place, des gens qui ont commis, qui ont participé à ces faits-là, qui peuvent être jugés avec l'espoir que demain, Tozo Nanga. Mais je pense qu'à ces niveaux-là, la dénomination nous posera problème. Parce que le ministre de la Justice parle d'un procès contre Nanga. Un procès contre Nanga, on suppose que c'est lui le plus grand coupable et qui devrait être là pour répondre de ses actes, répondre devant la justice. Mais je pense que dans le procès contre l'AFC, dirigé par Corneille Nanga, c'est une structure. Comme ça, dans chaque chaîne, il y a décision. Et puis à la fin des comptes, à force que l'État pourra trouver des stratégies pour mettre la main, Naba et Bazo continuent comme ça la marambouana pour que finalement ces gens soient mis hors état de nuire et que justice et salam salam. Mais dans l'instant, je crois que dans l'opinion, il faudra faire un travail énorme pour que Badba comprenne. Mais je crois que dénomination, on pouvait bien le changer pour ne pas kotika confusion en salamaye que totika jugement valère et matanamité mais congolais parce que je rappelle toujours aux gens. Et ça, c'est l'erreur que les politiques commettent aujourd'hui. On est dans une société où les gens jugent au lieu de comprendre. Qu'on comprend des communes salamingi. Yango moni ba fake news, yango moni ba bad buzz et matarami parce que le Congolais ne veut pas faire l'effort de comprendre derrière les choses. Ce que komikara makambo te faut réflexion, faut côté à gauche à droite, non, ils préfèrent prendre la solution à la facilité. Et je crois qu'à ce niveau-là, faut éviter ces histoires-là parce que c'est des natures à déranger, à troubler l'opinion publique et puis Kobe Bissamanta. Ndé Moussa Nabisso, tu dois expliquer un peu plus à détail. C'est vrai que tu as battu mi côté, mais toi et quand même. Mais est-ce que Borti Kabisso tout ça, Moussa, on va expliquer. Tant qu'on va expliquer si Kobe Babandio le babo allait pas, bango andi ko landa. Ba lingi critique te, ma ben avant rien quoi. Liberté de la presse, liberté d'opinion, ça garantit. Ma bien à Bangui en Guadeloupe. En fait, Ngarlobaga, on va pas attendre des politiques. Bati Kabisso m'a beaucoup libre. Ce que j'ai dit toujours aux gens, surtout aux jeunes que j'encadre, les politiques considèrent le journaliste comme étant un enfant ingrat. Parce que c'est un métier né de la volonté des politiques de pouvoir faire un travail d'opinion. Après la période, il y a la politique conquérante, ouais, okay, les Gozwanani, il fallait trouver des bulletins d'information pour essayer de sensibiliser l'opinion. C'est de là que l'objectif du métier est né. Pour Nabango, en fait, ils savent que nous sommes un contrepoids, un couteau. Sauf qu'à Tikyo, la vérité n'a pas ramené ça au BBC Moussalane. Les politiques ne seront jamais tranquilles, quitte à nous d'être très courageux. Mais aussi, de temps en temps, à la limite, quand même, il faut qu'on essaye de départir les orientations d'ordre personnel, il y a Baïba dirigé, Namambo et l'État. Parce que l'État, quand on parle de l'État, il n'y a pas que ceux qui dirigent. Il y a surtout et d'abord les autres forces vives, mais aussi surtout la population qui a besoin de la vraie information. Et photos à la part des choses, Namambo. Maintenant, Dominique Mwanambo, procès contre Corneille Nanga. Il y a un peu s'inscrire dans le cadre d'activités terroristes, crimes de guerre et haute trahison contre notre patrie et Maïnion sur ma baie salé mais qu'on a est de la démocratie du Congo déco Henri Chimalanga. En quoi est-ce que ces procès vont nous avancer? Vous pensez que le ministre de la Justice a quoi s'éparpiller puisqu'il y a décision à l'église, décision homosexuelle, aujourd'hui décision contre un an. Il n'y a pas mieux à faire que ça. Ça nous avance à quoi finalement? Naomi, on a quand même dit qu'il faut que Constant Mutamba a se fixer d'abord sur une ligne. Oyo, azalana moi, parce que vous avez la philosophie, au cause de la idée belle. Mais ceux qui ont ordonné Yangote, au Kenya, on a des autres. Comme c'est candidats, les candidats gouverneurs qui disaient que nous avons la idée belle. Voilà. Au soulevé pe aspect mobile. D'abord pour Nangai, procès les a na ko benga ngoneti et comme il faut pas trop quoi plus na neti na démagogie. Faut que Constant Mutamba la très attention na allure naïe. On l'a applaudi, on constate qu'il a du courage, mais à keba aussitôt et au comme là il a la démagogie. Parce que d'abord qu'on est inanga n'est pas là. Pobo odobakeza procès contre lui. Bato okangi soit disant que baouti pas naïe.
obakolobawana, qu'est-ce qui prouve que nanga akokondi mama kambwana ki nga tinda ki bango? Pour nan bosambisi bangote, il fallait zalanan procès contre batu owana oya kangi oyo basiba kangami na maboko. C'est pendant le procès, ce qui batouana balobi que oui, voici nos preuves, motuatini biso, Corneille nanga. Mais si ko bobandi ko lukaye. Parce que pour fixer le procès Ndengwana, c'est sous-entendu que non, on notifie à qui est pour pèser qui est mandat de comparution parce que y a bimi Kongote. Donc quelque part, il y a un zoaneti politique qui est un spectacle. Alors il faut que Constant Mutamba, à Talana, il y a beaucoup plus important. Talana Mboka Ondenge Tozali, Makambo d'abord tout le monde sur place. Il y a que il fallait plus à s'attaquer. Azala à mesure, y a quoi néantir, tous à sous na makambu ya bato bazali likolo ya ba institution, bato baza plus puissant que justice yango mokumukwana. Parce que tous vivre makambu anat. Eric Aouti Koloba awa que, omoni, ba politicien bako tika pisoto salam salam na librement. Effectivement, c'est une réalité, mais bisopé, Tokotika bangote, parce que baoya peko exterminer bisote. Tokende nango selon les faits. Nous, on expose les faits. To critiquer ba fait wana. C'est d'ailleurs le régime actuel moutou éducat bisona ko critiquer pena ba régime en place. Autant d'années éducation na, mais les lobes ba supporter en gote. Il faut que Constant Mutamba. Vous parlez de l'IDPS. Mais c'est le régime. Je parle du moins du régime. Mais l'IDPS nous a éduqués à ne pas avoir peur. Talana nous moi à 37 ans a commis la mentalité ou éduquer quand la mentalité on a bon les lois yondo vendu on a mais il faut supporter baswa éducation yo pesa na congolais bah appliquer contre yo. Alors Constant Mutamba procès contre nanga beaucoup tani botindaki huissier ton nani angwa keko pesa il fallait bah maintenant qu'on juge bato ba kangami. Tant que tu as un macambo, tu as déclaré que oui, biso nanga mutatindi biso. Tu n'y peux pas. Tu as prouvé que tu as un macambo. Et puis, il y aura une suite logique. Mais quand tu as boué d'un matin, procès contre nanga. Et ça, il y a un boué, il y a un sans impact. Il faut qu'on se rappelle. Awa wanamboka oyo. Avant Félix Tshisekedi akota na pouvoir, il y avait des mandats de justice contre tous les responsables de M23. Mais malgré Yangoana, délégation à Nézaki na Kinshasa, 14 mois, c'est connu, même le président l'a reconnu. Bien qu'il y a ses amis Longola qui a le vice ministre intérieur, n'a bien essayé de m'en aller. Mais alors, qui a désactivé la bah, poursuite contre le bah, responsable de M23 pour Bayaki? Kabila tika ki ba dossier wana des poursuites engagées contre Batwana, c'était une occasion bakanga bango te siko lelo Batwana bake musika nde bobandi procès. Quelque part il n'y a pas de cohérence na politique oyo Constant Mutamba pe azako sala a revisité pe moi ba dossier ndenge zalaki akoka na okende nango na mécanisme mbo potozo éviter ka ba procès mo ndenge totai komo na bokangi par exemple ba Salomon Escadé la wana. Avec pompe, bon, il ne faut pas éviter que vous ayez ça dans les médias. Parce que, après tout, phase ouana préjudirectionnelle, ezalaka soumise à la. À, tout le bas, il faut être la phase moko secrète. Instruction, bino bo weli si média. Mbala moko matata leki que non, revolver ouana, eza ya salomote, eza ya garde nangaye. Bakomo bundana ba changer motif d'arrestation. Et ça n'a plus tenu. Là, le ridicule, ça devient, c'est le pays, ce n'est plus Mouto Bokangaki. Parce qu'un jour, Mouto a voté les maquets, Bokangaki n'a injustement procès contre la République. Vous allez faire quoi? Ça va coûter trop cher à la République. Donc, il mais, faut... Mais il n'y a pas que ça. À sécurité de l'État, il y a deux autres personnes. Il ne faut pas mini-mingi tous à faire et avoir procès beaucoup plus politique. Il faudrait que Babanda quoi approfondir d'abord la première phase dans le secret. Il ne faut pas éviter le micro. Parce que tant que Béti, comme Lucas, comme moyen, il y a qu'on prouver ma cambo pour déclarer qui. Et si m'a souté, c'est binomoko boko bébé sa image ya pays. Talana n'a quoi na minito. Il faut plutôt que Constant Mutamba rassure Bisso que lui va se battre pour que tout Congolais, étant donné que nous sommes nés égaux devant la loi, Moutoutou aza justiciable. Mais les lots, tout le monde a un phénomène.
système on a non facilité il est facile ils sont mais tant que le régime les politiciens continuent à fabriquer bateau baza plus puissant inaccessible à la justice tout ça on a par exemple les lois il y a la clameur partout et il y a ils ont la dénonciation précise il y a bateau batamité contre Jules Alinguette qu'en fait le ministre il fallait instruire le procureur que ouvrez plutôt instruction contre Alinguette mais Alinguette tout ça on a pas les médias il y a un qui défendrait, il y a politicien qui défendrait. Mais IGF, toi, Linguet, tu as un parti politique. Mais au moins, il y a un monde qui est en cours de compte. Mais écoutez, mais quand tu as un monde, tu as commis une atmosphère. Tu as un monde qui est en cours de compte. C'est-à-dire, il y a un monde qui est en République. Pour quel travail il y a un monde? Parce que, en tant que journaliste, nous sommes en mesure de démontrer que non. Bah, assignation, tobe exploit à bah, régie financière, ça n'a rien à voir avec Alinguette. Na DGI, tango bazo sala, exploit na bangwana. Est-ce qu'Alinguette leur dit quoi? A sala kanini kuna. DGRAD, tout comme nini DGDA. Bah, exploit na bango parce que bah, dématérialiser bah, note de perception à travers le logiciel na bango ya Logirad. Mais au contraire, il fallait normalement, même président a se poser des questions que Kasi Bamiyonyo se bimaka. Son rôle c'est contrôle a priori. Donc avant que Mbongo bim, mais Bamiyonyo bima, c'est-à-dire sentinelle là. Alors c'est pour dire que donc je voulais juste dire que non attention, Omoni, Tozan a besoin de fanfaronnade. On a besoin. Problème n'a pas mboka au poto keli boso, photo kontaka ba résultat. Tu sais que même bonne foi ou bonne intention, qui ne se transforme pas en résultat, il faut que tu aies un compte à échec. Ogo lo bate que non, nga salaki, nazaki na bonne foi. Non. Alors, par rapport à ça, les mecs que batouana ba kangamité, faute à l'identité, faute à justice. D'accord, faute n'a été. Mais je suis en train de dire que. Il y a mieux à faire parce qu'on soulève qui question wana. Oui. Constant Moutambi, il fallait d'attendre à nous à déboulonner le système wana ya bateau bazaka plus puissant. To viva kia wana bino tout scénario ya Augustin Kabouya qui déclare aisément na top Congo FM que non là je pouvais pas supporter médio souffrance ya ba député nangai de na pesi bango ba jeep. Mais ils ont enrichissement sans cause. Normalement, il dit même que ce n'est pas la corruption, c'est la motivation. Si quand on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a corrompre. Non! On a un peu de temps, on a un peu de motivation. C'est-à-dire, on a un système qui est plus puissant que justice, que l'institution. Oui, Aza, ici, Kabazo, confrère Aoutio Lobawa, que. Aspect mon boy, sûrement bon et bimaka pour n'a qu'au vivre à bas prisonnier, et c'est vrai, on peut le prouver. Mais si qu'on gestion est un bon one, c'est là que Constant Moutamba devrait commencer à causer la banquette que non, l'icambo journaliste abimisi au talipé bas foufou en haut, c'est très sale. Aussi qu'on remontait que yo gardien à prison. Communément, il va très bien accueillir directeur. Il y a qu'un an. Mais bateau n'a pas l'air comme ma bébé ou n'engenine. Bafon oyo zwaka. Ou sala kananonine. Il n'est pas qu'on se justifie. Té, n'a zui n'a n'a boui. Oh, zui boui n'engenine. Parce que n'a ebike, kuna bafon ebima autant. Pour la prison centrale, yama ya Kinshasa, yama kala. Pour la boui, pour la boui, pour la boui. Il devrait plutôt se réveiller que y ait pas qu'on ait la guerre ou on a abandi pour répondre à la communiquer. Le perdant, c'est Constant Moutamba. Parce que il ne saura pas quoi effacer ba feuanaté. Nabilo ko ya lobi ke kuna balia ka trois fois. Est-ce que lui-même a kendo vérifier? C'est tout de suite ba contredire rien. Trois fois wapi. So ke kuno ke tina pa vient ba ton malade. Mais yo so pesi mutu 100 francs na makala. Mais au sentir mutu azo mono ndire o kabele 100 dollars. Alors balia ka trois fois nandeni. Merci beaucoup, Mme Bokato. Pour ça, Penza, la Masso, Nabiso, Torolobe, la crise contre crise au sein de l'IDPS. Côté à mon kid, Namayosaï, Kosa et Malakampala, c'est vrai que le gouvernement dit que personne n'est mandaté. Parce que mon candidat, mon coït, Tamboli, Tosaï, comme on a un mot clairement. Est-ce que vous en savez plus? En savoir plus, peut-être pas. Mais
La dynamique, oui. J'ai toujours dit aux gens, pour moi, c'est la suite. Mm-hmm. Je veux faire un effort, là, oui, la Bino Calendrier à la Convention à Kigali. Vous verrez que les dates sont très importantes. L'objectif, les lois, à Kampala, on force la main à Kinshasa. Mais j'ai toujours dit aux gens, il est préférable d'être présent ici à Baroling, à Babou-Mameno, que de décider de faire la politique de la chaise vide. Vous savez, beaucoup de Congolais aujourd'hui ne comprendront pas pourquoi, quand il faut discuter de ces histoires-là, il faut envoyer un émissaire. Si vous voulez trouver, le Congo ne manque pas, il y a autant d'intelligence ici, il y a des gens capables qui maîtrisent bien les choses, qu'on peut envoyer. Peut-être pas les politiques pour des raisons d'opinion publique, mais c'est jamais. Et Zarelo Wamala Mouté Batbo discuter le colo à sort Yambo Kanabine et vous décidez de ne pas être là. Surtout, sauf si à l'avance, on peut infiltrer le service et on peut avoir suffisamment les informations du déroulé de ces événements. Mais dans le fond, je pense que Kinshasa ne doit pas rester car en opposition, on reste là, on veut imposer Nani. Mais c'est ça la question, on a opinion. Est-ce qu'il y a ouverture, il y a une négociation directe entre Kinshasa, pouvoir à Kinshasa, M23? Non, mais je ne sais pas. Je sais que ce qui est sûr, c'est que les leçons de Kinshasa a levé option à discuter. Et au Sengaye, courage et belé pour y avoir Bakongolais, savons que non, on a fini par trouver un compromis pour discuter. Parce que la seule et la principale condition Kinshasa a posée à Kinshasa, c'est retirer Nani, élément. Bah, troupe rwandaise n'a pas position et bah, M23 pour qu'on puisse engager une discussion, ce qui n'est pas fait. Je ne vois pas aujourd'hui raison ni même à Kinshasa autour d'une table pour négocier. Sauf si on se sent essoufflé ou qu'on s'est dit que finalement ça a trop duré, qu'on veut changer de fusil d'épaule. Mais Waneza Sougoubo Mambok, collègue. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans Nabanjo, et le Weboma Bissot depuis toujours est acquis notre incapacité à imposer un rapport de force. Kinshasa Zaka, on avait souvent exemple il y a 2013. Comme on avait ras-le-bol, on s'est décidé de défaire le M23, Toketi militairement on défait le M23, mais après on se retrouve à quelque part en Afrique pour aller négocier les accords où on fait des compromis comme si on était un territoire occupé. Et malheureusement, Bateau, Bazaro, Salamambana ou encore les gens qui ont de l'intérêt derrière veulent nous garder dans le système. Et aujourd'hui, le fait que Kinshasa refuse de négocier constitue un manque à gagner parce que ce rapport de force-là à gauche, à droite, n'a moins quelques 2-3 mouvements et à Bawazalendo, ne sert pas les intérêts des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bissonio Sotoebi, que l'objectif est à la Nations Unies, à l'Union Européenne, et à Tion Spalink, tout se retrouve autour d'une table pour négocier. Mais la question, est-ce qu'on va aller négocier là-bas? On va aller négocier quoi? Mais Bintou Keïta qui dit que solution militaire est quoi qu'on a la tête, selon Bangoula. Oui, mais c'est ce que je dis. Vous ne m'avez pas parlé de Bintou Keïta. Moi, je sais qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit ça à Dieu de la tribune des Nations Unies. Il est allé même dire qu'on n'est pas suffisamment outillé pour de faire le M23 et que même si on mettait en contribution la MONUSCO, on n'aurait pas l'armement nécessaire pour de faire le M23. Mais finalement, qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire? Non, il n'y a pas des histoires de cachées derrière. La guerre de l'Est est un vaste marché économique pour les matières premières, pour les nations et les autres multinationales, et on veut les choses comme ça. À la limite, ce qui est au niveau qui n'est pas bisoto soit semblant et accalmi. Il faut qu'on négocie na bango. La négociation est annihilée, ça va compromettre. C'est-à-dire que vous nous laissez tel espace, vous nous laissez tel territoire pour pouvoir continuer à exploiter. Vous n'allez pas demander de compte. C'est ça la logique de choses. J'aime pas souvent revenir sur certaines informations, mais pendant que moi et vous on parle, Nicolas na plateau Awa, quelque part dans la partie est, il y a des aéronefs de fortune préparés, des petits porteurs. Montent et descendent régulièrement. Certains atterrissent en Tanzanie, d'autres vont au Kenya, et puis acheminent les matières premières. C'est une réalité de fait. La preuve, quand on a décidé d'engager la dynamique de Wazalendo ici, les États-Unis ont pondu un communiqué pour dire que les intérêts économiques des États-Unis étaient menacés. Pourquoi? Parce que les zones occupées, les zones exploitées, étaient devenues un champ de bataille. Les lotosas, on a besoin de faire un lukaba français à Milaï pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de gens qui veulent que cette situation reste comme ça. Soyez tolingi, bande qu'on a besoin d'un moi qui m'y a. Ça veut dire que faut se retrouver autour d'une table et tobi bon, bobo ma sous-souté, mais topé si bino, yo, bo salao et lingi bino. Mais après, ces gens deviennent avares. En politique, ce par quoi on acquiert quelque chose, c'est ce par quoi on la conserve. Soyez baso kango par mandoki. C'est ce qui fait que depuis 2 années, le M23 toque un processus DDR. Ben, c'est bon, démobilisation, boya, bah, réinsérer Bino. Bango Bazuka a démobilisation, mais réinsertion, bah, bo, ils sont restés comme étant un groupe. Bango de bord décidé, si Kanin Bavanda, c'est pas ça. Dans le processus, c'est à l'état de pouvoir réaffecter. Parce que Naïbi Sarabatoumingi, l'une des faiblesses y a armée, c'est parce que on a pensé à la dynamique militaire sans passer à l'approche sociale. Pour moi, un bon militaire, c'est d'abord un bon citoyen.
Si vous êtes citoyen, tu as tapé sur Mandoki. Oh, Mandoki, au commis dangereux. Tu seras là en train de tuer parce que la réalité sociologique, le partage, le vivre en commun, au yébité. Mais est-ce que toujours vivre les lots retombés, il y a pas corneux tout signal qui, parce que nos opinions, selon l'opposition, et Zan de Kofilis qui s'équête le président de la République, n'a pas continué à zone ici M23, est-ce que c'est dit aux accords ou soit c'est le pouvoir en place? Ce qui balobi bongo justice et Olingagetos, dans le sens intégral. Depuis toujours, on nous a imposé ces rythmes-là. Ça dit, formata mentalité, il y a qu'on se retrouve autour d'une table pour négocier parce que on nous a tellement fragilisés pour que militairement, nous ne soyons pas en mesure d'opposer un rapport de force. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, moi j'ai dit ça dès le départ que c'était une erreur. Il y a un gars qui est soft. Il dit, bon, ok, si l'objectif, il y a guerre en Ezaka pour des raisons d'ordre économique, pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente de partager les richesses de la RDC? Comme ça, ça va nous éviter. Moro, Tozo, compter par milliers chaque jour. Ok. Mais malheureusement, quand il a pris cette dynamique, il est allé négocier avec la mauvaise personne. Le commissionnaire a négocié un montant, un prix, un loyer. Aller le faire avec le Rwanda, qui sert des intérêts des autres, même s'il n'est pas fait évoluer bien l'intérêt. Moi, je gagne quoi? Voilà mes objectifs. Au-delà de ma économie, moi, j'ai besoin de terre. Ce qui nous permet de continuer comme ça, nous allons permettre de occuper la terre. Parce que, d'ailleurs, ce qui est la terre, on est commis par Ngaï, vous allez l'exploiter mieux que pas à Batouana, Bali Makambao Salaté. Il dit, ah, ok, c'est une bonne idée, on va aller dans cette dynamique-là. Nous, on va décider de prendre juste un maillon, Yachen, pour décider tout ça là-bas partage, tout ça libre, tout qui n'a pas accord, j'en venture, tout qui n'a pas accord bilatéral. On a même permis au Rwanda pour une première fois d'installer une usine de raffinerie d'or, qui était une usine en réalité américaine. Mais on a pris le chose tosui, cause sont touchées, la conséquence. Moi j'ai dit que c'était une mauvaise politique parce que le Rwanda ne saura jamais se défaire de ses parrains juste pour satisfaire les intérêts de la RDC. La preuve, pendant qu'Azako exploitait or, puisqu'il bat Tindaki et Mission Moussous, il a continué à pilonner l'espace congolais. Combien de fois on a vu des militaires rwandais en tenue, des RDF, sur le sol congolais en train de piller pendant qu'ils sont en train d'exploiter à côté? Et c'est à ces niveaux-là que nous, on a commis beaucoup d'erreurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. C'est ce qui justifie aussi cette radicalité de sa part. Mais dans cette radicalité, j'ai dit toujours, il ne faut pas prendre des demi-mesures. Tu as décidé, ok, de tout couper au bi, tu ne négocies pas. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. En matière de politique, surtout dans les questions diplomatiques, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit on va jusqu'au bout de sa logique, soit on n'y va pas. C'est comme dans Le président dit que le contexte est changé. Qui pour son total Malobana, il n'attend la campagne électorale. Il était prêt à faire la guerre au Rwanda, prêt à attaquer Kigali. Mais il dit que le contexte est changé. Je vais dire une vérité. C'est la personne la mieux informée de nous tous. Et Zaka a contexté. Il s'était rendu compte que Moni n'a vie. Maman, ce que l'on a dit, rassure-toi que tu as un bouton. Les habitants ont décidé de se faire. Les habitants ont décidé de se faire. Ils ont dit, il avait compris que derrière, j'ai toujours dit ça, j'espère que le Congolais va comprendre. Les gens qui ont dit, les Américains, ils ont joué le même rôle. Jusqu'à ce que mon Koloba Bebanaki. C'est un ambassadeur, un petit ambassadeur qui est venu annoncer rupture il y a un contrat d'avant. Le Rwanda a tellement exposé la communauté internationale dans le conflit à RDC. Et comme il y a des malisolo partout, ils ont les sources secrètes. Le monde entier est en train de regarder, le monde entier regarde l'implication à Batouan. Le quoi la bango va l'ingarate babi mamabe parce que, ensemble, à pouvoir, on a bango vendu du fait que, bazakaba redresseur des torts. Bango, ce sont des hommes de droit, les hommes de démocratie, et ne viennent que pour aider les pays du tiers-monde. Alors que Bangoni Bazaka, auteur, il y a un malheur à gauche, à droite. Ce qui est bandit, c'est Bango Moko Bazar responsable à malheur. Il décide de changer de fusil d'épaule. C'est quoi changer de fusil d'épaule? Aujourd'hui, Kagame, aide militaire dans Bangoni Rwanda. C'est-à-dire que Kagame est en fin de cycle, dans le rapport parrain. Au moment où on parle, il y a quelqu'un d'autre qui prend déjà le relais, mais petit à petit, c'est Ruto. Avec le Kenya. C'est-à-dire que, au Kenya, on va l'exposer un tout petit peu. Sur Bissos, la minute, on sort de Bissos, 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 on sort de Bissos,
on va faire la guerre, on va nous permettre. Ils vont même nous soutenir. On va aller faire la guerre, mais ça nous permettra de ne pas remonter la filière, savoir dégager les responsabilités à Batonabato. Finalement, il avait compris. Maintenant, le problème, c'est que celui qui a sa guerre, il faut qu'il y ait malheur. Cette fois, je dis toujours, la solution militaire reste la solution principale. Faut que ça la guerre pour que... On va s'en charger de toi. Il faudra qu'on prouve à suffisance que, Netisiko, il faut que nous militairement, qu'on mette en dehors de nos frontières. Le groupuscule, ce bazar, on va continuer que qui. Mais on va servir de ligne à toi, Nanios. Pour ça, on n'attendra pas de l'extérieur. Il faut que tout bandana nous en met dehors. Maintenant, ceux qui sont au Bangolibanda, on commence à voir qui sont les gens qui sont impliqués et dégager les responsabilités. Photo Bunda Bitumba, il a compris que Bitumbo n'est pas un Nangwana. Et là, Bitumba, c'est de la manipulation pour te pousser à quelque chose, pour servir les intérêts des autres. Si que sur le Ngo Bunda Bitumba, c'est précipité. Sur le Ngo Bunda Bitumba, Bunda Bitumbo Yomogo Yebi, parce que j'aime une phrase d'un sage qui a dit, Albert Einstein a dit, les hommes forts commencent par remporter la victoire avant d'engager un combat. Mais les faibles vont combattre et attendre les résultats par la suite. Moutamaka, si Abitumbaye, déjà étudié, il y a un point faible, il y a un naomi dengaza. Ce qui est un peu plus, c'est rassuré qu'effectivement, il y a une faiblesse, je me donne le moyen de le faire. Pas les combats impulsifs. On doit aller dans le militaire, mais il faut le préparer calmement. Et il a compris, c'est pourquoi il s'est un tout petit peu stoppé, mais après, il faudra accélérer parce que Makambo est au niveau. On n'aura plus le choix. Soit on fait la guerre, soit on négocie. Et j'espère qu'on ne va pas négocier, parce que ceux qui t'ont négocié, on rentre à la case départ, sort en avis sur les Alamabé. Très bien, merci beaucoup, Madame Boka Kampala. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement a dit qu'on négocie, puisque sur terrain, il y a des déplacés de morts, mais colonies, selon vous, solution et collègues à travers nous, puisque dans l'opinion, on dit que le président a échoué carrément. Bon, Naomi, nakanisi que il faut s'en tenir au fait. Et puis, na histoire, il y a beaucoup d'anabiso par rapport à la guerre à Estéona. Mobutu a vécu ça. Laurent Désiré a vécu. Joseph Kabila en a vécu. Et Tshisekedi est en train de vivre les mêmes choses. Maintenant, c'est question d'être réaliste. Au moment où on est dans le micro, il faut que les politiciens évitent. Pourquoi ça va déclaration? Nalanda l'ambemen d'un jour à Zolo Bake, à Zopé sa consa, le bigue, non, non. En politique, il faut jamais dire jamais. Ça n'existe pas dans le monde. Oui, mais pour la nini. Mobutu, tango rébellion, oye, go chasse, bandi, bazo rassuré, naba généraux, nae, na premier ministre, kengo. Abi Kisangani ne tombera jamais. C'est ainsi que Mobutu n'acceptait pas qu'on négocie. Mais tant Kisangani est tombé, Mobutu a piqué crise. Aye qu'on dit ma négociation, ya sa commission na position de faiblesse. Or que l'air ouana si qu'on a eu sous négociation, l'air bakoutani na outeni kana Laurent Désiré. Laurent Désiré, non, non, il n'a qu'à déposer. Parce que yo déjà au commis na position de faiblesse, pour qu'on négocie nini. Et pire encore, tant que Mobutu a tindi délégation na début ka ba rébellion en Afrique du Sud, pour pas que koutana na ba rebelle. Curieusement, ba on aurait ngwanda bazo koutana en face de une délégation zo outa Washington. Parce que en anglais, on interprète. Alors il se dit, oh, toi, soit disant que tu discutais avec les rebelles, avec Laurent Désiré, mais on voit que des Américains, tous les gens ont des rebelles, Congolais, ou soit disant Laurent Désiré. C'est pour dire que, nous sommes tous les Joseph Kabila, tant que tu Goma, il n'y a pas la logique que tu négocies. Quand on prend la ville de Goma, général Olenga, qui a remplacé le général Amissi, la force terrestre. A ça, le plan de guerre n'a eu à Ibisina Joseph Kabila que Toyebi, quand même, nombre à Oubakoti Bazigoum. Moi, tous ont mobilisé plus d'éléments et on a plus de matériel. Tout quoi, attaquer Bam. Joseph Kabila, il va ok, tete. Il y aura des dégâts na Goma. Boti Kangana qui ne peut négocier. C'est comme ça qu'il est parti à Kampala. Pour reprendre Goma par les négociations. Adimignon, ce va être imposé. Au moins, va signer. Tant que Zongi, maintenant, il s'est engagé sur une autre voie. C'est ça, il y a un peu de François Olenga. Mon souci, c'était que Tozoa Goma par Bitumbati. Il y a un peu de signer. Mais le reste, il y a la localité.
appliquer plan à yo si ça peut réussir. N'est pas yoa pito mona ba Mamadou la qui n'était qu'un commandant de bataillon, mais le commandant ya ba opération c'était le général François Olinga. Ne ba bandi ko attaquer ba Kale, ba Arunyoni et le M23 n'a pas résisté na Bitumba. Mais Goma ba récupéré yango RDC récupéré par les négociations na Kampala. N'est pas yoa pito ndimi boy, tondimi boy, tondimi boy. Tant ba yoa récupéré. Mais schéma wana yemi biso na moma Kampala. Oui. Oui, parce que les est-ce qu'il faut reprendre même chemin? Non, non, qu'est-ce que je voudrais dire? Oui. Tango Félix et Tshisekedi alobi que il y aura jamais de négociation avec Bango. Ezo ya kokoma sous difficulté na kati na epo na ko annoncer les sous na peuple congolais que non, il faut tout négocier. C'est pourquoi Oyoki depuis un certain temps, Ayekouloba que a quoi attaquer les sous-souté, alobi que non, il est allé plus loin jusqu'à dire que oui, et par abisso pays en a bateau ba cause à la bord déranger Bango Kuna. Et que pour rejoindre ba Libya Kagame. Faisant voilà. Au moins nyoso wana nde sali que tant on landi bien Patrick Muyaya. A wanganite présence ya délégation congolaise na dans Zanzibar. Mm-hmm. Mais lui, il discute sur le contenu. Il dit non, oh, bah, Rwanda va publier ça yangote. Mais vous êtes là-bas faire quoi? Bon, le bande, pena ba Congolais qui vu situation n'engézali. Tozo kende, tozo bundame, to négocier. Vous pouvez dire ça au minimum. C'est jamais interdit. C'est, même voilà. La Russie et l'Ukraine, bah, bundame. Mais la difficulté, oh, au gouvernement, comme il y a des années, trop de déclarations à que jamais, jamais. Mais c'est quoi l'effet sur terrain? Vous vous rendez compte, dans le moment où rébellion, agression, on a ézui une 80aine de localités. Il y a un gros nabin tout qui est à Olobiana, Tangwazo, Lobakuna, Nations Unies, M23 ézui territoire moko mounene. Parce que espace tout on a, c'est plus vaste que Rwanda en superficie, même Burundi. Au moins, c'est quoi? Et comme il y a déjà tout un pays. Donc, c'est pour dire, maintenant, il faudrait qu'un gouvernement abondana. Parce que pour tout le monde, la négociation, on n'a qu'une seule condition. L'armée n'a pas la capacité militaire et à coup de fer. Depuis voilà. Un moment, bah, si... on a monté à puissance. Y a... Oui, mais y a ne confondons pas les choses. Au moins, tout confondre était acquisition et matériel. Un petit peu, il y a une dimension. Acquisition et matériel. N'a monté en puissance. C'est deux choses différentes. Parce que tant qu'il n'y aura pas l'esprit de corps n'armé na biso oyo ezali ko souffrir ezape ba conséquence ya 1+4 til le loso botalibien dans nos forces armées ezala ba militaire oyo biso tozaka ya Bemba. Donc quand vous menacez Jean-Pierre Bemba eux ils vont vous trahir pour na bango ba biso to ko sa la sécurité arrivé à la défense. Il a fait rappel à ces éléments. La plupart qui ont dirigé le mouvement à Zalendo. Ozoyo Kabilo Kwan. Oku tape belé. Baza wana ba bibiso tozaya RCD. Et au monisiko que tant que esprit de corps ezate. Toko kozwa mandou ki même ya Russie. Ba yeba pesi bango. Mais il y aura toujours moi corrompu wana. Donc c'est un sérieux problème. Ou ba politicien na biso. Ba vanda, ba ye bande ni akosala pona ba s'exercer à kwelage état d'esprit wana. Je vous dis que ça aspect moko tozo sala attention na ngote, mais nyoso toza komona oyoyo. C'est parmi makam minene ya maka ya eloko wana. La situation est-ce que za ki pri donc ngolande ko Jean-Pierre Bemba pe ko changer ministre de la défense? Bon, selon ngai d'abord, Jean-Pierre Bemba a quand même na moi ndambu ya notion concernant Makamboa ya armée par rapport ya remplaçant na ye. Ça aurait été mieux ceux qui sont remplaçants soit purement un militaire et de formation et de carrière. Parce que moi n'y attend habitat junior là. Obama pour attaquer, on a il faut opération Ben Laden. C'est pas lui qui conçoit le plan. Abengi, un vice-amiral au Azali spécialiste. C'est celui-là qui dessine le plan et le gouvernement met les moyens. Asengi, il faut hélicoptère à Boué Boué Boué. Hein? Boué Kéi. Maintenant, ici chez nous, tant que Basali Nengwana, pour nanga, ça aurait été mieux que remplaçant Jean-Pierre Bemba, Azala mieux outillé en cette matière plus que Jean-Pierre Bemba. Ça allait trouver quand même moins justificatif. Mais, au a remplacé Jean-Pierre Bemba, franchement, par rapport à Bangomi Balé, na o Italie que Makambo Italie quand même armé, lui il n'a pas d'idée par rapport à Jean-Pierre Bemba. Donc, mais parce qu'il est le fruit d'une orientation politique. Jean-Pierre Bemba est un futur protagoniste. Voilà. Donc, il est dans le dernier mandat,
constitutionnel. Voilà, c'est politique. On ne peut pas le laisser, la gestion de l'armée, on ne sait pas ce qu'il peut je faire. Je devais en arriver là. Donc, il y a plus politique et côté, mais dans l'angle mobouillé, il y a bien été. Parce que mon défense, sans en avoir défense. Même les conséquences sur le terrain. Bon, sur le terrain, on a encore plus perdu parce que tout ça, déjà au-delà d'une quatre-vingtaine, il y a la localité au EKI. Il y a moi, nous avons tout ce que font les Américains, c'est pour nous amener dans la position de faiblesse, tout comme à point à condiment, dans la négociation. Talata Yomoko, avant l'ère rébellion, comment il y a moins de difficultés, très vite à la caté. Mais tant qu'on va récupérer par l'appui à l'armée ougandaise, na rwandaise, sur terrain, bah, côté en surnombre, bah, la localité belé, très vécoti. Et qui impose? Les États-Unis. Bah, habilité, bango, bah, Nations Unies, t'es. T'osa même pays, t'osa ka pays, loko la bango. Mais bango, bah, yéko décider sur base de quoi? Et puis, pour permettre, Monguna, à se positionner pour nous maintenir l'espace, on a Bakisalisus. Donc, tout cela, Ndenge, confrère Alobiawa, Félix, il est le mieux informé. Mais, Azad devant Makambo, une situation très compliquée. Facilité. Mais les lots dans la négociation, est-ce que Azad était en position de faiblesse? Sikoyo, oui. Il faut répondre militairement, récupérer des espaces et puis s'ouvrir voilà. Le dialogue. Tant que tu as récupéré, tu as réduit le champ d'influence, il y a ennemi. Là, maintenant on va en position. On peut négocier. Mais à un moment, ils ont presque tout un pays, même pas presque. Bah, territoire au Bango va occuper, c'est presque 29 000 km². Mais Rwanda, c'est 27 000 km. Burundi, 28 000 ou 26 000 km². Donc, ils ont déjà tout un pays au Bazubiso. Donc, dans le moment où ils ont une négociation, c'est pour aller qu'au subir. Il fallait que la montée en puissance et FARDC aient dans l'action en récupérant la localité. Là, on a tant que poussé Bango, Barondima, toqué la négociation, mais Bango, la position de faiblesse, on peut imposer. Donc, sans la capacité militaire à défendre notre territoire national, Tokinda a qu'en position très bien. Merci beaucoup, nous le disons par patriotisme. Ils ont été que, oh non, Balobi, puisque démoraliser l'armée. Non, c'est pas démoraliser. L'armée fait un travail. Là, on parle plutôt de politique qui gère la dimension. Voilà. On parle pas de les aspects au soulevé les militaires font leur travail mais commandement n'est pas moralisé yo bengi batno oyibisi bango ke non boza ba soda na ngati d'ailleurs ba futa kabino na mbongo à l'état c'est nous qui ndela ekolo bolongola na mituna bino ke biso ya na ngai polaire ngapeto lelo songa na komi président na kozala kana bino il faut tout le monde. Donc c'est aux politiques d'assumer leurs responsabilités à Biloko Mabé, à cotisant l'armée, et à libre politique. Nous allons chiter na, pendant ces temps, alors que na Est, ma Kambézan, Bilinga, Bilinga, na Kinshasa, UDPS, parti présidentiel, moi, Mboutou Mboutou et Koti, Bao Balobi, Ndeko Kabou et Sengela, Kindekabou et qui dit que a pardonné Bango, Kasibazo Mananzela, deux fois de suite, Basaki autour, il y a Maman Marthe pour la colocation solution, vous pensez. C'est que les après déjà à des ordres au sein du régime, ça apporte quand même. Bon, c'est un désordre organisé. C'est un désordre où il y a intérêt, il y a des gens qui tirent profit et c'est pas le moindre. Je veux faire simple. Combat où les que la plupart y a bacador, notamment les gens qui dirigent la haute structure à UDPS pensent que tozo kené na bangé à minéné. UDPS clôture son mandat constitutionnel d'ici là. Il faut trouver d'autres mécanismes, d'autres diplomaties pour pouvoir voir comment pérenniser le pouvoir. Et Bélé Bakansi que Augustin Kabouya n'est pas l'homme de la situation pour aller engager les dialogues, pour pouvoir négocier avec les partis politiques, pour pouvoir convaincre. Et que forcément, il faut Akende. La preuve, Balingaï Bakendi s'est calmement. La première des choses, quand on lui a proposé d'être formateur par la suite, c'est pour qu'il ne soit pas jugé parti dans la composition et équipe et gouvernement. C'était une façon de lui retirer un peu la liste. Il y a composition, il y a délégué, il y a UDPS, même si après il a voulu tenter faire un forcing et Simbaïté. Deuxièmement, quand on lui a proposé le poste et premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'était pour lui frayer un chemin, couper sa sortie honorifique. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il a compris, qui ou pas, il a refusé, il a résisté, ou à la limite, bah, tu vas s'agresser au parti, tu es plus fort qu'aller rester dans les institutions. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est un désordre voulu par des gens. Maintenant, le problème, c'est que le rôle de la UDP, c'est d'accord, parti à masse. Avant hiérarchie, à soi, décision, il faut qu'il y ait suffisamment de mobiles en interne. Il faut que base à soi. Tu verras qu'il y ait un effet de chaîne.
Fédération Tchangu, Fédération Lukunga, Fédération, jusqu'à ce que la base va désavouer, c'est alors que la hiérarchie pourra prendre la décision en ayant un soubassement. Soubassement, c'est un base balingi du sous-souté, faux-okende. C'est ça la logique de choses. Lui, là, il tente, bon gré malgré lui, de résister, mais dans la vie, ça, parfois, il faut savoir quitter la chose avant que la chose ne te quitte. Ils sont tête pour rien. Exemple, il y a Kabunde Servirier. Les enjeux sont autres et on veut remplacer et réorganiser le parti différemment pour d'autres enjeux qui vont arriver. Soyez Nazagi et Naotikaka. Non, parce que c'est. À moins que maintenant, qu'il soit vraiment, en tout cas, s'il reste encore là, jusqu'aux prochaines élections, moi, il aura tout mon respect, mais la vérité, c'est que son sort est décidé à gauche, à droite. Il doit partir. Il doit partir pour les enjeux à venir. Mais toujours moins un pays dans même cadre à Kinshasa, apparemment on prend des fers entre le gouverneur Bumba et le ministre Hervé Pam Mobaza, même famille politique dans l'Italie, gouvernement et Singela Kiba Kitisa, Ndeko Kabou il en a au niveau du Katanga à Andimi Pe Makambosi et Bandi Moussal et Bandi, pourquoi pas à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? Bon, Kaboula est à son poste, Kaboula a eu une certaine expérience, Kaboula connaît, Kaboula a déjà un background, a Yebi Place à Utaki, à Ebindegnina, Salaki, réduire, c'était pas un problème pour lui parce qu'il est sorti. Quand il est arrivé pour la première fois, c'était un gouvernement de 10, dont d'ailleurs je crois que c'est lui qui gérait le ministère des Infrastructures, c'est lui qui est le DG de l'RPTC, l'RSP aujourd'hui. Mais je crois que Bumba, au-delà de ça, il y a la pression politique. La composition d'Andenga Salagiana, il y a les quotas politiques et il y a qui comme pas possible. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas se départager. Est-ce qu'il faudra engager un bras de fer? Tozotik a un bras de fer parce que la décision du VPM n'a pas touché à la cause, il y a problème. C'est quoi la cause? Sokotangi décret, il y a jurisprudence César. Prédécesseur, il y a Noumaki gouvernement, il y a 18 personnes avec 9 ministres et 8 commissaires généraux. Et commis source de droit. Même si la constitution refuse. Mais on lui a permis de créer une jurisprudence très négative. La Constitution refuse limite le nombre. La loi portant organisation et fonctionnement des institutions, il y a gouvernement, limite le nombre à 10. Mais moni moi vide, on a le ministre. Il y a un moni va créer super chéri. Au lieu de 18 ministres, il y a 10 ministres. Mais va créer service moussoussou, ça dit, va profiter de la vide, la non-dit à la Constitution, va créer commissaires généraux. Parce qu'eux ne sont pas ministres. Or, danger, les sous-faisants que les commissaires généraux ne sont pas rédévables devant l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que c'est une situation de non-État. Et ce qui fait que c'est une jurisprudence très négative. La minute où tu as un problème pour rendre effectif, c'est le Conseil d'État qui a le pouvoir de gérer ou encore de régler les contentieux d'ordre administratif. Il faut faire constater que même prolongement à Nayaba, commissaire généraux, est une violation et que finalement, dès qu'on a un élément de droit, il n'y a plus à discuter. Le VPM ne prend pas des décisions ayant force de loi. Il fait constater. Mais avant de faire constater, il y a un précédent fâcheux. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision. Le fait qu'il y a un vide, il crée un précédent, une jurisprudence. Pour casser cette jurisprudence, il faut que le Conseil d'État... Pendant ces temps, la ville s'émerge. La ville est en train de souffrir. Et surtout, le pire encore, c'est que le gouverneur a déjà été investi. Donc, il faut que il se tue à la tâche. Il veut faire jouer les influences politiques. Mais l'élo Yosoki va permettre à tient en place. Quelle serait l'attitude de Kiaboula et Bakongole Baolobanin? Est-ce qu'à ce niveau ici, on doit désavouer généralement les décisions des autorités? Je ne pense pas. Parce que le VPM de l'intérieur parle au nom du gouvernement. C'est l'intermédiaire entre le pouvoir central et le pouvoir provincial. Et je pense qu'ici, il faut faire intervenir le Conseil d'État pour qu'à résoudre le litige administratif, on a pour qu'on passe à autre chose. Très bien. Moi, dans mon cas, toi aussi, c'est un dossier IDEPES. Selon vous, nous avons alimenté la crise et nous avons mis des opérations. Est-ce qu'ils ont bénéficié d'un gouvernement ou d'un régime qui s'est fait? Non, non, ils bénéficient. Au contraire, ils ont sali, ils ont bini ça. Régime au Yokan et tout le bas, ils ont régime au. Au lieu de corriger le système, c'est ce qu'il fallait déboulonner. Parce que Kabouya se comporte comme tout le monde au-dessus de la loi. Kabouya a même la déclaration dans la salle. Ce qui est là, c'est suite à comportement. Il y a touché à Daniel Bumba. Mais on a tous vu. VPM a convoqué Bango officiellement.
Mais juste après, Kolongwa n'est pas à Vepin. On les a vus, Kabouya Kézoye, Naba militant naye, Bazo Yemba Babandi, qu'on défiait le Vepin, Obisoto Kéye, pas Maman Marthe. Ça ne donne pas une belle image. Donc, pour nous dire que nous avons la décision de Vepin, tu n'as rien à nous dire. Et encore que, jurisprudence, ce n'est pas une loi. Au moins, il y a une décision qui est de faire un peu de temps. Voilà, c'est pourquoi, au bout de la procédure, ils ont une échelle, ils ont une étape, pour revenir sur une décision, il y a eu des erreurs matérielles ou bien il faut corriger. Même décision est à Kala. Au moins, tant qu'ils ont été bien. Et le VPM Massali, il est légaliste. Parce que la constitution est permettre. Bon, aussi longtemps que vous continuez à violer la constitution, c'est comme Mabez Ali, la constitution, tout y a bino. Mais c'est comme la boîte de fer, Kinshasa. Mais c'est ça. Mais tout ça, c'est parce que Kabuya se comporte en un homme super. Que personne ne peut toucher. Mais c'est pas le rapport avec Kabuya. Mais Kassiye Moutou, tout à l'heure, on a la vidéo. Donc, il y a lieu de dire que Yemto a entêté Daniel Bumba. Parce que tant que Yolongwe n'aille pas à son chef ou à Zago géré par gouverneur, bon, comme que Kende Boako s'est filmé, moi qui l'ai allé là, on a Android, Bozako Yemba, Bobandi, Kofing à Vepem, Vepem à Saïni. Autoke yé pas maman, maman Saïni. Donc, bon, Kende Boako, si ça se coupe, Vepem à l'obake, bon, le gros la maman a décidé que non, Bumba, ça la gagne à Saliona. Moi, je m'étais. Mais c'est ça tout le problème. C'est pourquoi, aux hommes, soulèvement, il faut que le président de la République attire attention. Ce qui est loi Vandina Kitiwana, l'origine de ce pouvoir de sa présidence, ils ali base na Yohana. Souvenez-vous, tant qu'on a accueilli na Genève, il a signé et il a déclaré que le changement passera que par Fayoulou. Mais Nasuka Lobike, je ne sais pas si c'est facile pour faire avaler à la base. Et la base a réagi. Quand la base Wana Batouana va réagir, Babandiko Tumba ba photo na yena permanence. C'était très sérieux. Babengi Kabund Yaka, Yebisaye, Soka retirete, Anyata na permanence. Ces gens-là sont comme ça dans leur mentalité, je vous dis. Banga Babanga yete pour comment déjà benjure, bazo fingae. Alors, tant Kabunda yibse ki awa ça ne va pas, je suis devant un feu, ba photo na yo, befiji na yo, izali awa na moto. Et il a retiré. Donc, ce qui n'avait pas retiré, en obéissance à la prise de position de cette base-là, il ne serait jamais président Lelo. Moi, je pense toujours que c'était une stratégie. Donc, il a tout intérêt. C'était une stratégie pour retirer parce que avoir le pouvoir est instinctif. Mais écoutez, attention. Retire, après, on te le donne. Mm-hmm. Non, mais il attention. Au moment où on signé, on a dit qu'on a dit qu'il s'est servi de la base. Le col à Batouana va réagir spontanément. Et Pessien Zela, Lelo, Aza président. Donc, il a tout intérêt de démettre Kabuya au profit et la majorité et dénoncer bah, fait vérifiable. Mais base déjà qu'on s'est retrouvé, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être ministre. La gestion de Kabuya n'a pas déclaration. T'as la même temps au sol, on a pas téléphone et on rend ça public. Même lui-même, quand tu dis certaines choses, c'est pas la première fois. Alors, quand on a pas député, quand il y a eu des pèses, na top Congo, na premier mandat, au moins je sais, bah, tu sais ce qu'ils ont fait pour se retrouver député. Il y a un secrétaire général qui a parti, Nabino. Voilà. Et à quel plus loin, bah, soit on a téléphone, na Gabi, on a échoué à l'élection là, on a triché. Comment toi, Narana, yo, on a mis ça, Biloko, y'a Ndengwana? Non, Félix devrait mettre. L'intelligence, non, c'est faux. Les intelligences, c'est. Et la réalité, par rapport à Likambwa Lubumbashi. Cet audio-là, il faut authentifier. Yoka, tu ne peux pas dire Biloko Wana yo tout un responsable. Kakaye, Obino Bokimikuna, Bozabandoki, Opesi, Batuana Bavivaka, Nako Potana Place, Bazawana. Vous pensez que la stabilité de l'UDPS passera par le départ de Kabuya Lelo? Bon, beaucoup le pensent. Si c'est pas Kabuya, c'est qui? Beaucoup le pensent. Yango, je t'ai dit qu'on estime que c'est pas l'homme pour les enjeux à venir. Faudra le remplacer. Vous voyez qui est à la tête de l'UDPS? Ah ben je sais pas, l'UDPS a des hommes intelligents. Hein. Ils sont pas nombreux, mais il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui, certes, peut-être pas très tout nutriant, mais il y a des gens qui passent. À la limite, si vous demandez sur Tuningai, je pense que pour des raisons stratégiques. Pourquoi ne pas faire revenir Moubaké? Est-ce que c'est possible? Mais le problème, est-ce que Moubaké va accepter? C'est ça le problème. Bon, Moubaké va Moubaké pour bien s'arraper dans moi. C'est exactement pour ça que je l'ai choisi. C'est-à-dire, c'est un homme qui n'aura pas peur de dire des vérités. Voilà. C'est justement pour ça que si vous me demandez à moi, je préfère qu'on fasse revenir Moubaké. Mais pour Nanga, ceux qui Kabuya Zana Bolingo, il y a eu des PSP, Zana Mawaya.
y a Vienaé, le président de la République, qui le démissionne pour Kinyeza. Ezo tcha le président très mal à l'aise. Il ne sait plus. Est-ce que vous voyez de peut disparaître après 2028? Bon, la façon dont Bango Moko Bazako Kumbe, là, il prépare pas l'après. La présidence, il y a Félix, il risque de tout connaître. Le pouvoir est l'opium des grands partis politiques. Tout n'a pas lourd, tout n'a pas perdu. Bazawat. C'est la fin de l'émission. Isaac Senga Kozana Bino, merci Ndeko. Arich Malanga, Malamboka, Maton Domingue, Ndeko, Mike, Tokutan Nabino prochainement, Bandeko, Balanti Congo Boss Télévision, Isaac, Pona Congo, Tolinga Congo, Tobati à Congo, Peto, Bundela, Ekolo Nabiso, Ming, Ming, Tango, Sala, Mosala, Sala, Po. On a intérêt à Mboka, qui met Mboka à l'autre toute année prochainement. Au revoir.